repose en paix. C'est bon. Merci. Chut, c'est pas le moment. Vous connaissez Nicole, hein? Bon, écoutez-moi. Foncez vers l'ouest jusqu'à la passerelle. Nicole est dans la tour de guet. Rejoignez-la et aidez-la. Plus aucun Reaper ne doit passer par le marais, c'est compris? C'est un miracle. J'ai prié de toutes mes forces. Ok, allez, foncez! Merci. Ok, Nicole, j'ai fait ma part. À toi de jouer. Sans prendre ça. Quelqu'un? Dick, je croyais t'avoir perdu. Ricky, où est Boozer? Et Schizo? Je sais pas ce qui se passe. J'ai vu Schizo avec Boozer. Où ça? Où, Ricky? Dick, les Reapers, ils sont en train de forcer l'infirmerie. Bordel. Ah, tiens bon, j'arrive. Attends-moi. Déconne? Ricky! Il faut que je rejoigne l'infirmerie. Elle saura où trouver Boozer. Le feu va me libérer! Non! Lâche-la! Pitié! Pas ça! Vous êtes égaré! Égaré! Non, 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 non! Lâchez vos armes! Cessez le feu! Cessez le feu! Lâchez terminé! Je t'avais dit de pas sortir. J'ai entendu quelqu'un crier, je pouvais pas le laisser mourir! Attendez, attendez! Oh, oh, ouais! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est fini! Iron Mike a négocié un cessez-le-feu. Hein, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Allons voir ça. Ça va? Viens. Je suis désolée pour tout ça. Oh putain, moi aussi. Mike, écoute, c'est seulement un malentendu. Ils veulent juste... Ils ont attaqué mon camp. Ils massacraient les nôtres! T'appelles ça un malentendu, toi? Mike! Vous venez sur nos terres! Condamnez nos réserves! Vous attaquez! Vous attaquez! Tuez les miens! Mike, écoute-moi! J'ai passé un marché! Hé! Wow, wow, wow! Baissez les armes, frère! Renonce, attends! Vas-y, Schizo, parle-nous un peu de ce marché! Bordel, attends un peu! Pourquoi tu lui dis pas? Attends! Raconte-lui comment tu nous as vendus à ces tarés! Mais pourquoi tu veux que je dise ça? Foiré de fils de pute, Schizo! Tu vas te mettre à table ou je te jure que je t'égorge! Ok. Ok! J'ai passé un marché avec Carlos, d'accord? Mike! Mais c'était pas... C'était pas pour vendre notre temps, je te jure. C'était pour ces deux guignols, Boozer et lui. C'est tout ce qu'ils demandent, juste deux. Et jusqu'ici, tout va bien pour toi? Je l'ai fait pour sauver le camp, Mike. Pour régler ses histoires, rétablir le traité qu'il a violé. Mike! Mike... Je suis content de te revoir en vie. Mais relâche-le. Dick. Ok. Ok, bon. Il a dit la vérité. Vous avez passé un marché.
Seuls les égarés mentent. Oui, c'est vrai. Ok. Donc on vous livre Dick. William. Les bikers, qu'importe le nom. Et vous laissez Lost Lake en paix. Vous reposerez en paix. Tu as ma parole. Tu vas la tenir, hein? Ta parole. Après tout, t'es le putain de gourou du RIP. Hé, hey, hé, hey, on vient là en messager de la paix. Mon cul, ouais. C'est mon corps. Mes hommes. Tu peux pas débarquer ici, faire un massacre et m'extorquer des faveurs sous couvert de cesser le feu. Pas moi. Alors je me fiche de ce que ces gars t'ont fait. Ou de savoir pourquoi tu leur en veux. Tout ce que je sais, c'est qu'on te les livrera pas. Mike. Vous avez un accord. Non, le voilà l'accord. Carlos. Et c'est le seul que t'auras. Prends tes clics et tes claques. Et fiche le camp de Lost Lake. Où c'en est fini pour nous tous. Ici. Et maintenant. Le traité vaut toujours. De mon point de vue. Ça a toujours été le cas. Sale fils de pute! Bon. Escortez-les hors de mon putain de camp. Hé. Hey. On se reverra. Hein, Carlos? Renonce, mon frère. Dick, écarte-toi. Écarte-toi! Mike, je veux juste te dire que... Mettez-le en cellule. Tu déconnes, on va se charger de ça. Lâchez-le! Je passe mon temps à vous le répéter. Mais vous ne comprenez pas! C'est pas comme ça qu'on règle nos problèmes ici! On ne marchande pas les vies! On ne tue certainement pas les gens de sang-froid! Faites-le dégager. Lâchez-moi. Il aura droit à un procès équitable. On n'est pas des sauvages ici. Et il sera puni pour son crime. Je regrette pas, Mike. Jamais. J'aurais tout fait pour sauver ce putain de camp. Les Reapers ont pas fini. Carlos lâchera pas l'affaire. Tu m'entends? Ils reviendront. Tu sais qui c'était? Jesse. Mm-hmm. Ouais, être le chef d'une secte en pleine apocalypse, ça l'occupait pas assez. Il avait aussi besoin de se venger. Ce putain d'enfoiré de salopard. Ouais. Ça doit faire un moment qu'il sait qu'on est en vie. L'autre nuit, chez Willy, les Reapers étaient sûrement pas là par hasard. Est-ce qu'Izo voulait nous livrer à cet enfoiré? Où ils l'ont emmené? Je vais le retrouver, je vais lui casser sa putain de gueule. Du calme, oublie ce qu'Izo pour l'instant. Va chercher ton matos, des molotovs et toutes les munitions que tu peux porter. À quoi tu penses? Je sais déjà que c'est une mauvaise idée. Mais on va quand même le faire. Faut que j'aille chercher les explosifs au chalet et les cordons de détonateur chez Schizo. Retrouve-moi à la passerelle. Je t'expliquerai en chemin. Ça te va, mon frère? Ouais. Oh, ouais. Ouais, Ricky, je suis là. J'ai pas le temps, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de les voir enfermer Schizo et je... Ah ouais? Super. Mais là, j'ai pas le temps de parler. Et Carlos et les Reapers sont partis. Après tout ce qu'ils ont fait... Ouais, super. Allez, adresse-toi à Iron Mike pour ces trucs-là. Je le ferai. Mais j'ai besoin de te parler. Je veux pas que tu fasses une bêtise. Écoute, Ricky, tu me parles déjà, là. En personne, Dick. C'est important. C'est toujours important. Écoute, Ricky, faut que j'y aille. Deacon, attends! Désolé, Ricky, on parlera plus tard, ok? Terminé.
Hé, hey, Schizo, comment ça va là-dedans? Ta nouvelle piole te plaît? Dick! Dick, parle-moi, frangin! Tu sais pourquoi je l'ai fait? Primo, je suis pas ton frangin. Et secondo, ouais, je sais pourquoi tu l'as fait. Oh, Dick, allez! Putain, le prends pas perso! C'était le seul moyen! Parle à Iron Mike! Dis-lui, s'il te plaît! Dis-lui que j'essayais juste de sauver le camp! C'est tout ce que je voulais, moi! Je te le jure! Oh, ça, je vais parler à Iron Mike. Et dès qu'ils t'auront condamné, je demanderai à ce qu'on te confie à mes bons soins. Boozer et moi, on te ligotera de nuit, on te laissera au beau milieu de l'autoroute et on attendra qu'une horde se pointe. Dick, faut que tu me crois, frangin! À ton avis, qu'est-ce que ça fait de se faire déchiqueter et bouffer vivant? Dick, je voulais juste arrêter Carlos, arrêter les Reapers et protéger notre camp. C'est tout ce qui nous reste, Dick! Tu sais quoi? Coupable ou non, je pense qu'on va quand même le faire. Au revoir, Schizo. Dick! Dick! Putain, écoute-moi, Dick! Je suis désolé, frangin! Je regrette! Je voulais pas le faire, mais j'avais pas le choix! Je voulais pas que ça se passe comme ça! Dick! Écoute-moi! Dick! Faut que je trouve les cordons de détonateur. Tu crois que... La cabane de Schizo. Comment j'ai pu faire confiance à ce connard? Salut, toi. Schizo aura plus besoin de ça. Ah, peut-être pas, mais c'était flic à Farewell avant. On pourrait croire qu'on était mieux préparés. Avec notre entraînement, notre matos, tout ça. Putain, je sais même pas par où commencer avec ce truc. T'avais un truc à acheter? Tu sais pas comment préparer? Tu cherches un truc en particulier? Ok, ok, je te remets au max. Essaie d'en prendre un peu soin. Et mon mari les outils. Ok, d'accord. Si j'avais su que je regretterais ces outils. À plus tard, Dick. Besoin d'un coup de main? Dick, Dick, Dick. Oh mon Dieu, Deacon, j'ai appris que c'était toi qui avais rétabli le courant. Sans rire, merci mille fois. C'est vrai? Bah, t'es mal informé alors. C'est grâce à Ricky. C'est elle qu'il faut remercier. Ricky, elle mériterait que je l'embrasse. Dis rien à Brie, par contre. Ouais. Beau matos. Oh, excellent choix. Oh, ok. Ouais, sympa. Ouais. Beau matos. Ah, ok. Hey, essaie de passer plus souvent. Tu nous as manqué.
Content de te voir, Dick. J'étais en classe quand c'est arrivé. J'enseignais l'anglais dans un établissement. Tout le monde a vécu des histoires horribles. On a tous dû. Des choix. On sera pas là. Maintenant, j'ai plus qu'à ramener ça dans ma cabane sans être vu. Faut que j'aille voir Adi, qu'elle soigne mon bras. Je peux pas laisser ça s'infecter. On sait ce que ça veut dire. Oh. Je peux pas continuer comme ça. Ça va, je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis véto, moi, putain ! J'ai appris à soigner les coliques, les vomissements, les problèmes de sabots. C'est un sabot, ça, pour toi ? Adi, Adi ! Oh, t'as vu ce qui est arrivé à Boozer ? Je peux pas faire ça. Les Adi ! Ils sont beaucoup trop Adi. Nombreux. Ils agonisent. Adi ! Déconne, je suis pas médecin ! Ok, peut-être pas. Mais tu es tout ce qu'on a. Adi est pas docteur, hein? T'es peut-être pas docteur, mais t'as sauvé la vie de Boozer. Pour moi, ça compte. Salut, Dick. Je suis allé inspecter les explosifs pour vérifier que les Reapers s'étaient pas servis, puis je suis allé chez Schizo pour voir les cordons de détonateur, mais j'aurais mieux fait de venir ici directement. Tire-toi d'ici, Ricky. On doit pouvoir faire sauter la grotte, non ? Je viens avec toi. Quand j'étais gosse, mon père a trouvé un hydra sous l'un de nos cabanons. Tu sais ce qu'il a fait ? Aucune idée. Il a attendu jusqu'au matin qu'ils soient tous endormis. Il a posé une planche au-dessus du trou et il m'a dit de prendre le tuyau d'arrosage. Et là, il m'a dit un truc que j'oublierai jamais. Il m'a dit que le meilleur moyen de tuer des rats, c'est de les noyer. Tu vas faire exploser le réservoir en amont du camp ? Ouais, c'est l'idée. Deacon, tu peux pas... S'ils veulent reposer en paix, je vais les aider. Deacon, tu peux pas faire ça. Pourquoi ? À cause d'Iron Mike ? À cause de ce putain de traité ? Je peux pas encadrer ce qu'ils ont, mais il a raison sur un point. Carlos va pas s'arrêter. Les Reapers non plus. Et tu le sais. Et y a rien de personnel à ça. Un peu que c'est personnel. Je me dirige vers la porte, t'es prêt ? Je suis en avance, frangin. Ok, j'y suis presque.
toi de fusil? Oh ouais, un petit cadeau de Schizo. Rappelle-moi d'être là quand tu les rendras. Tu seras là, t'inquiète. Enfoiré de Schizo. Qu'est-ce qu'on va faire de ce fils de pute? Je veux dire, on va pas laisser Iron Mike faire cadeau d'un procès quand même. Non, pas question. Oh, c'est quoi le plan? Bien la zone. Sarah, elle bossait dans un labo au sud d'Iron Butte Ranch. J'avais l'habitude de passer et la prendre pour déjeuner. Elle a appris à conduire sur ces petites routes. Jesse, Carlos, appelle-le comme tu voudras. Il contrôle l'ancien complexe de golf. Juste au sud du chalet, il y a le réservoir de Crescent Lake. Si on fait sauter ce barrage, le lac inondera toute la vallée. Et ils seront noyés, comme des rats. D'accord, mais le chalet, il est pas sur une colline? Ouais, l'eau l'atteindra probablement pas. Mais elle balayera le reste du complexe des Reapers, et éliminera la plupart de ses hommes. Ouais. Et si Jesse s'en sort, il nous verra même pas arriver. Exactement. Reste plus qu'à trouver comment traverser la vallée d'Iron Butte sans se faire remarquer. T'inquiète pas, on y arrivera, accroche-toi! Je les ai vus! Continuez au sud. Je te suis. Du gâteau. Non. Ok. Hé, hey, qu'est-ce que tu fous? Je pensais trimballer ce sac d'explosifs jusque là-bas. Et leur éclater la gueule, si ça les gêne pas trop. Loser. Toi, tu me couvres d'ici avec le fusil de Schizo. Moi, je m'occupe des charges. Oh, attends. Bon, je gère.
Je sers à rien dans les fusillades, mais je peux poser des charges. J'ai posé des explosifs, Boozer, en Afghanistan. Je sais exactement où les mettre. Super. Tu m'indiqueras la direction. On y va? Ouais. Bon, je vais monter dans la tour. J'aurai une meilleure vue du barrage. Je vais attendre jusqu'à ce que tu y sois. Ok. T'es prêt? J'y vais. Ouais, baisse-toi et magne. Compris, frangin. Roger! Non, oublie, allez, fonce! Où dois-je poser la première charge? Tu vois le deuxième échafaudage? En haut du barrage? En position. Ok, je pose la première charge. C'est fait. Je passe à la suite. Bon boulot, Boozman. Continue. J'ai la main prise, là. Tu gères? Ça, une conduite forcée. Les gros tuyaux à la base du barrage. Ouais, compris. Je me mets en route. Ok. La troisième charge. En position. Allez, bouge ton cul. J'aimerais bien t'y voir, avec une main et une lame. Il y a des fois, j'aimerais bien avoir une lame à la place de la main. C'est prêt. Allez! Allez!
de Dieu. Est-ce que ça va? Ouais, je crois. Attends, il manque pas quelque chose? T'es vraiment un comique, toi. Bon, essayons de trouver Jesse. Ouais. C'est grave là-bas. Ouais. J'ai bien cru y rester plusieurs fois. Ouais, à ce propos, désolé. Qu'est-ce que tu racontes? Je m'étais plus senti aussi vivant depuis... Bah... Merde. Tu te rappelles quand cette horde nous avait coincés à Tumalo? On n'en a pas terminé. À ton avis, combien on en a tué? Aucune idée. Et puis il l'avait mérité, pas vrai? Ça ouais, il l'avait mérité. Avec tout ce froid. Bon, on dirait qu'il faut continuer à pied à partir d'ici. Tu restes là, pour empêcher les Reapers en vadrouille de me piquer ma moto? Ouais, je crois qu'on n'a pas à s'en faire pour ça. Putain de merde. Tout ça, c'est la faute de Jesse. Il veut une vengeance. Je vais lui redonner de la vengeance. Viens, on va vers le chalet. Lady, je te suis. La vache. Ça devait ressembler à ça après le déluge. Une fois la terre lavée des pêcheurs. Ouais, sauf que Dieu a rien à voir avec ce déluge. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et merde, d'autres Reapers. Comment ils ont fait pour survivre? Oh, ils le savent pas encore, mais ils sont déjà morts. Dick! Sur la gauche! La gauche! Ouais, ouais, je gère! Oh, venez, bande d'enfoirés! Amenez-vous! C'est bien une brute. Qu'est-ce que tu crois? Il me rentre dessus! Arrêtez-le! Il est touché! Il est touché!
Jesse. Ok, oui. Tout finir sans la commencer. Tu trouves pas qu'ils ont l'air plus barrés que d'habitude? Ouais, tu vas pas réussir à monter avec moi. Ouais. Et merde. Là. Attends. Je vais t'aider. Bon, écoute, s'il m'arrive quoi que ce soit, il y a un sentier pas loin. Il faudra non, que tu... Non, 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 écoute. C'est pas Carlos à qui on a affaire, là. C'est pas le chef du RIP. C'est cet enfoiré de fils de pute de Jesse Williamson. Une saloperie de crevure qui a eu que ce qu'il méritait. C'est clair? Alors maintenant, t'y vas. Et tu crèves ce petit enfoiré de merde. C'est fait. Ouais. C'est fait. J'y serais jamais arrivé sans toi. Ça m'a fait du bien de revenir dans le No Man's Land. Mais j'avoue que... creuser toute la journée... arracher les mauvaises herbes... bah, c'était pas une si mauvaise vie, en fait. Jesse est mort. Il en reste combien, à ton avis? Des gens qu'on connaissait d'avant? Aucun. Il reste personne, Boozer. Merde. Je suis désolé, mec. Ouais. Moi aussi. Allez, viens, tirons ouais, ce ouais. Droit. Comme je l'ai dit, je sais que ça fait des années qu'on se parle plus. J'ai pensé que vu que mon Elisabeth était montée vous rejoindre, ça ne servait plus à grand chose que je m'égosille après vous. Et puis... quand la situation a dégénéré, j'ai pensé que vous étiez plus là. Ou que vous en aviez plus rien à foutre. Passez-moi l'expression. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Pour vous dire que je sais toujours pas. J'espère que vous êtes là. J'espère que...
qu'on endure cette merde. Pour une vraie bonne raison. C'est tout. Bon, on se reparlera une autre fois. Oh, Amen. Dick. Ouais, c'est Ricky qui m'a dit que je te trouverais peut-être ici. Oh, c'est à cause de ces foutus genoux. C'est pour ça que je prie plus depuis des années. Ouais, je suis pas du genre à aller à l'église. Même pas depuis le cauchemar qu'il y a eu à Sherman's Camp. Mais aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé récemment, je me suis dit qu'il était peut-être enfin temps. J'ai pas eu le choix, Mike. Oh, arrête, on a tous le choix, Dick. Jusqu'à ce qu'on meure. C'est eux ou nous? Ça se joue toujours entre eux et nous. Toujours. Et tu sais pourquoi on s'en sort pas? Parce qu'on n'a toujours pas compris que nous, ça regroupe tous ceux qui passent pas leur temps à se balader en putain de guenilles en essayant de nous bouffer. Ok, je vais te dire un truc. Que ça te plaise ou pas, le monde est ce qu'il est. Ouais, bah ouais. Et tes prières, ils changeront rien. La situation va pas s'arranger. Juste parce que t'en as envie, Mike. Non, c'est pas une question d'envie. Le monde, il est... ce qu'on en fait, nous, tous ensemble. Collectivement. Je l'ai laissé partir. Schizo, il aurait pas eu droit à un procès équitable. Tu l'as libéré. Je lui ai dit de filer, de jamais revenir. Nom de Dieu, Mike, est-ce que t'as la moindre idée de ce que tu viens de faire? Oui. J'ai empêché une tuerie. Et tu sais quoi? Je regrette pas une seconde.